c'est. Mon Dieu, c'est la crypte de Michael Rudge. La crypte de Michael Rudge, c'est pas vrai. Tu n'as aucune idée de qui c'est, hein? Pas la moindre. C'était un assassin. Père avait un de ses livres. Selon la légende, il aurait trouvé près de Bass un trésor qui l'a rendu fou. Il l'a caché dans une crypte, qu'on ouvre en réunissant une série de boîtes à musique bien particulières. Des boîtes à musique bien particulières? C'est un fou, en effet. Ok, cette crypte m'intriguait depuis un certain temps et enfin je m'y suis rendu. Donc nous sommes dans la crypte de Rudge. Salut tout le monde, bienvenue pour cette mini-série sur les mémoires de Karl Marx. On a 4 mémoires, je crois, à faire. Et bon, effectivement, cette crypte est accessible dès le début du jeu en fait. Mais il faut bien sûr, pour y accéder, avoir toutes les boîtes à musique. Hein. Enfin, avoir tous les disques qui sont enfermés dans des boîtes à musique. Et donc, ah, là, on a toute la liste des boîtes à musique. Oh là, je suis l'un de tout avoir, là. Ouh la vache. Effectivement. Alors, c'est très intriguant. J'aurais dû faire ça dans la série principale. Ça, c'est sûr. Bon, est-ce que j'ai assez de disques pour en insérer à des endroits stratégiques? Bon, apparemment, je peux en insérer un peu partout. Il y a juste deux endroits où je peux pas en insérer. Donc on va voir ce que c'est. Ah ouais, mais il y en a plein. Ah ouais. Pff. Parce que là, c'est juste un endroit, mais il y a au moins 4 emplacements sur ce truc-là, non? Non, Non, juste un seul emplacement. Ah non, pas un seul emplacement, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, parce que là, le petit rouage a avancé. Ah, donc on n'est pas rendu en fait. Ouais. Ouais. Bon, on est quand même là pour les mémoires de Karl Marx. Donc, je vais insérer tout ce que je peux insérer. Donc, tous les disques que je possède. Et on fait une petite ellipse. Enfin, je vais faire une ellipse justement pour faire ça. Et on se retrouve au début de la prochaine mémoire de Karl Marx. Je suis tout près de Karl Marx, mais j'aimerais revenir un petit peu sur cette histoire de secret de Londres. En fait, on a une espèce d'énigme pour chaque disque et chaque boîte à musique, avec surtout quand même un indicateur visuel et aussi textuel de l'emplacement des boîtes à musique. Donc on a le nom des quartiers, on a une photo de l'endroit où se trouve le disque, et on a quelques lignes, quelques vers qui nous indiquent à peu près où devraient se trouver les... Quoique... Les morceaux de disques... Les esprits blancs de l'orage me guident dans mes voyages, les étoiles et la lune me sourient à chacune de mes péripéties. Pas sûr que le texte soit vraiment d'une grande aide là, mais en tout cas la photo et le nom du quartier l'est. Et parce qu'en fait, les emplacements ne sont pas marqués sur la carte, c'est ça la petite subtilité. En même temps, c'est peut-être pour ça que... Ce sont des secrets de Londres. Ouais, une douceur au creux de mon âme, le ventre plein d'un bon potage, devant les cieux, je me pâme de ce retour au bonheur de l'âge. Mais comme ils sont numérotés, j'imagine que mi bout à bout, c'est un vrai texte. Et ça, c'est long en fait pour tout récupérer. Il y en a une bonne trentaine. Hein. Ouais, au moins 32. Je dirais 32, effectivement, et j'en ai ramassé un cinquième à peu près. Je suis à 19%, donc forcément. C'est long. Donc je ferai peut-être ça en off et je ferai l'ouverture de la crypte en bonus peut-être à la dernière vidéo de cette mini-série. Sauf que du coup ça va me faire beaucoup de boulot. Mais oh, après tout, si on veut résoudre ce grand secret qu'est la crypte de Rudge, il faudra s'y mettre corps et âme. Mais en attendant, allons aider Karl Marx pour une intervention anarchiste. Un ouvrier accablé par le chagrin entend se venger en utilisant des explosifs des Templiers. Et un Templier, justement, m'a interrompu dans ma lecture. Merci, madame, de mourir. Donc, encore des explosifs. Voilà. On a beau faire tout ce qu'on peut pour empêcher les explosifs d'arriver à Londres, il y en a quand même qui arrivent. Bon, en même temps, Jacob et Evie ne sont que deux. Hein. Empêchez-le d'agir avant qu'il ne déclenche une catastrophe. Ah, donc là, on doit...
empêcher un ouvrier de faire des bêtises. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous dire quels étaient les numéros d'épisodes où j'ai fait les deux premières émissions de Karl Marx. Ça tombe bien, c'est en début d'épisode 18 et début d'épisode 19. Vous pouvez également trouver les liens dans la description. J'ai tout mis, si j'ai pas oublié. Donc pour les deux premières missions avec Karl Marx, car celle-ci est la troisième. Mon pauvre ami Frank Morris. Son fils est mort d'épuisement après une journée de 18 heures. Frank est dévoré par le chagrin. Il reproche aux autorités de refuser de défendre les droits des ouvriers. Ah, je comprends sa colère. Mais je crains qu'elle ne le conduise trop loin. Toi, tu vas voir tes tripes. Une cargaison de nitroglycérine pour faire exploser le parc. Tuer des gens et détruire des biens n'est jamais une solution. Seule la démocratie ouvre la voie du socialisme. Arrêtez-le avant qu'il n'ait du sang sur les mains. Il doit déjà être en route vers la City à l'heure qu'il est. Bon, je peux partir. Ce serait sympa que les ennemis ne puissent pas nous interrompre pendant un dialogue avec un PNJ. Ce serait vraiment cool. Bon, je comprends bien le fameux Frank Morris. Donc, un fils qui est mort au travail. Mort d'épuisement. Et il a volé de la nitroglycérine et il veut faire exploser je ne sais quoi. Donc on doit l'en empêcher. Oula. Il n'y a plus que ça. Mieux vaut s'en occuper avant l'arrivée de Morris. Ah, dommage. Est-ce qu'il m'a suivi, le policier, en plus? Bon. Je réquisitionne ce... Ah bah, je peux pas. Voilà, parfait. Avec le policier, je ne pouvais pas prendre le contrôle d'un véhicule. Super. Tout ça à cause d'un Templier qui m'attaque au pif. Oh, bon, reprenez votre voiture, je vais en prendre une autre. Allez, je suis généreux. Ah, c'est pas vrai. Bon, allez, on va rattraper cette voiture. Parce qu'il y a un petit peu de la nitroglycérine dedans. C'est un peu plus chaud que les deux premières missions. Pour vite résumer, si vous avez la flemme de regarder les deux premières missions. Lors de la première mission, on devait tuer des espions qui, justement, espionnaient Karl Marx et ses partisans. Et qui, éventuellement, représentaient un danger. Et dans la deuxième mission... On devait brûler une usine et voler des documents. Alors je ne sais plus quelle était la nature de ces documents. Et hop, détourner. Voilà. Mais qu'est-ce que... Qui es-tu, toi? C'est Marx qui m'envoie. Mais je t'en prie, tais-toi. Dis à Marx que je n'ai pas besoin de son aide, ni de la tienne. Que voulez-vous que je fasse? Même les chiens mordent quand on les bat trop souvent. Oui, c'est ça. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Tais-toi. Continue. Tais-toi, on est assis juste devant des kilos et des kilos de nitroglycérine. Et on va se faire poursuivre. C'est l'objectif spécial qui le dit. Allez, c'est bien. Donc, pas de gestes brusques. On se calme. Bon, quand est-ce qu'on est poursuivi? Parce que si on n'a pas de poursuivant, moi ça me dérange pas. Franchement, j'ai pas envie de sauter. Voilà, on va ralentir pour pas percuter les autres voitures, on va passer doucement, voilà, doucement. Parce qu'on a une cargaison un petit peu conséquente, donc la charrette est un petit peu large. Et donc forcément, on va être obligé de subir quelques chocs. Wow, doucement. Allez. Aïe. La nitroglycérine n'est pas très stable. Voilà, parfait. Objectif réussi. Et en plus, on est vivant. Bon, je vais quitter la voiture parce que j'ai pas envie qu'on ait d'accident. Vous avez de la chance, hein, qu'il y ait des civils. Sinon, j'utiliserai les bombes voltaïques. Ouf. Ah oui, en plus, ce sont des ennemis de niveau 5. Ils sont inoffensifs. Et en plus, lui, il n'attaque pas. Bon, bah écoutez, puisqu'il n'attaque pas... Ah, je peux pas... Bon. Si la police ne s'en occupe pas, les rats le feront. Ouais.
En fait, je voulais viser avec le pistolet pour lui tirer dans la tête, mais bon. Plus qu'un tir rapide suffisait. Voilà. Donc, atteignons le lieu de la livraison. C'est bon ? Ah non, pas tout à fait. En route. C'est ici. Ralenti. À gauche. Ah non, d'accord. Ah. D'accord, ce sont des points de passage. Calme-toi un peu. Tu vas nous faire sauter. Yeah. À gauche. Bah, c'est eux. Lui, il m'est rentré dedans. Hein. Enfin, il nous est rentré dedans, vu qu'on est tous les deux. Allez, susceptible de mourir dans... Bah dans aucune souffrance en fait, parce que l'explosion se rate-t-elle à mon avis qu'on ne sortira rien. Il y a tout un petit circuit, c'est sympa hein. C'est qui le bon cheval ? Mais sincèrement, c'est où l'arrivée ? C'est là ? Non, toujours pas. Bravo. J'aime pas trop les énigmes. Enfin pas ce genre d'énigmes. Et qui sont ces gens ? Des gens qui n'aiment pas qu'on leur vole leurs jouets. Tant que tu n'iras pas t'occuper d'eux, on restera bloqué ici. Bien sûr, c'est Jacob qui doit s'en occuper et il se fait bazarder de la voiture parce que le mec est trop bavard. Bon, allez, venez, suivez-moi. Suivez-moi. Les explosifs ! Bon, on va protéger l'anarchiste, hein. Gardez-la votre nitroglycérine. Bon, par contre, ça va poser problème, ça, plus tard. Allez, il faut pas qu'il meure, il ne faut pas qu'il meure. Voilà. Bon. Et maintenant ? Ils ont remis la main sur la nitro, ça doit te faire plaisir. Loin de là. Tu savais exactement où trouver ce chariot. Ça veut dire que tu suis les arrivées depuis des semaines. Dis-moi où va cette cargaison. Je peux peut-être t'aider. Viens me retrouver à Southwark dès que possible. Oui, dès que possible, oui. Ça. Irresponsable. Allez-y, marchez sur les cadavres. Bon, du coup, Southwark. Yeah, Southwark. Oh yeah, bah on est juste à côté. That's cool, oh yeah. Une fin explosive. Ah, une fin explosive. Ça, c'est pour Evie. On va varier un petit peu. Certes, c'est Jacob qui a... Cette fois, c'est pour moi. Voilà, cette fois, c'est pour Evie. Voilà, elle le dit. J'ai même pas fini ma phrase. J'ai même pas fini mon explication. Evie qui dit, cette fois, c'est pour moi. Certes, donc c'est à Jacob que l'anarchiste a dit, retrouve-moi là-bas. Et en plus, le mec part dans la mauvaise direction. Mais c'est Evie qui va s'en occuper. Parce qu'elle sait y faire, il n'y a pas de raison que Jacob soit le seul à s'amuser. Evie aussi a le droit aux fins explosives. Bon, on va régler ça tout de suite, voilà. La dispute est terminée entre les deux. Voilà. Allez, frappe. Olé, olé, olé. Voilà, faites gaffe les potes, faites gaffe. Quand vous dégainez votre pistolet, faites gaffe aux civils. Nous ne sommes pas là pour les tuer. Nous sommes là pour les protéger et défendre nos intérêts. Bon alors, toi qui t'es téléporté. Frank Morris, ouais, c'est ça. Alors, Frank. Donc Frank Morris a découvert le stock de nitroglycérine des Templiers et fera tout pour s'en emparer. Non, il faut le détruire. Très loin. Sans tuer qui que ce soit. Ils vont déplacer la cargaison. On doit faire vite. Il y a une voiture au coin de cette rue. Si on s'y cache, ils nous conduiront tout droit à la nitro. Ok. Rentre plutôt chez toi. Je vais me cacher dans cette voiture. Chez moi. Dans une maison froide et triste. Pour porter des gants noirs et un ruban de deuil à mon chapeau pendant un an. Pour retourner à l'usine comme un rouage de la machine du capital. Non. Je veux faire justice. Et je veux ces explosifs. Je compatis. Mais ta femme, que pensera-t-elle de toi quand tu auras ces morts sur la conscience ? J'essaie de bâtir un monde meilleur. Pour que personne n'ait à souffrir comme mon fils. Alors dis-moi, toi qui sais tout, combien de sang faudra-t-il faire couler pour y parvenir ? Il est désespéré, mais c'est pas en tuant des gens au pif que ça va arranger les choses. Parce qu'il y a peut-être des cibles, effectivement. Mais dans l'eau, il va aussi tuer des gens qui n'ont rien à voir avec cela. Et puis même... Ils resteront en vie jusqu'à ce que j'arrive à destination. Ouais.
à se cacher. Hop là, ils n'ont rien suspecté. Enfin, elle n'a rien suspecté. Alors, voyons voir. Je suis prêt à parier que l'anarchiste va nous doubler. Ou alors, il va essayer. Ah, ok. Donc, ils sont deux désormais. Bien, il n'y a plus rien à craindre maintenant. Maudit anarchiste, bandit, tu parles d'une bande de bons à rien. Ah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui t'a retenu? Non, ça m'étonnerait que quelqu'un réussisse à entrer ici. Attends, ça n'a aucun sens là. Qu'est-ce qui t'a retenu? Non. Quoi? En fait, la fille, elle avait un truc à dire au mec. Même si le mec lui parlait, elle l'écoutait pas. Donc parfait, nous y sommes. Je vois la nitroglycérine. Je dois tuer les Templiers à la nitroglycérine. Ok, donc j'ai fait la leçon au type et je dois faire exactement ce qu'il s'apprêtait à faire. Sauf que moi, je fais ça sur des Templiers. Bof, après tout. C'est le but du jeu, tuer des Templiers. Donc détruire la nitroglycérine et tuer les Templiers avec cette même nitroglycérine. Donc le truc, ça va être donc de les rassembler. Il n'y a qu'un seul moyen pour faire ça. C'est sortir de la voiture, les obliger à me poursuivre, les amener près de caisse de nitroglycérine et tirer dedans. Mais si normalement je peux dégainer le pistolet en plein combat, peut-être qu'il faut que je sois assez loin. Bon alors. Désolé, mais j'en ai absolument besoin. Justice sera faite. Non, ne tirez pas. Maurice ! Pauvre homme. J'espère qu'il a enfin trouvé la paix. Allez, détruisez ces caisses. Personne ne mettra la main sur ces explosifs. Et bien sûr, elle n'a pas du tout été repérée. Bon, je fouille votre pote, hein, permettez-moi. Attendez, je vais aussi fouiller Maurice. Oui, Franck. Franck Maurice. Non, je peux pas le fouiller. Bon, allez. Youhou, venez. Venez, monsieur. Youhou, ça en fait deux. Ça en fait trois. Alors pourquoi je fais ça au lieu de les tuer un par un avec les petits stocks de nitroglycérine? Tout simplement parce que... ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais bon. Une explosion les aurait tous attirés. Et en fait, du coup, bah... quitte à les attirer, autant les attirer volontairement. Allez, venez, venez, venez. Parfait, parfait. Attention. Vite. Parfait, parfait, parfait. Allez, allez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis pas bien placé. Vite. Quoi? On m'a suivez Evie. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. C'était pourtant de la nitroglycérine. Allez, allez, suivez Evie. Suivez Evie. Non mais c'est bon, vous l'avez pas perdu de vue. Allez, 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 voilà, suivez Evie. Suivez Evie. Voilà, ça c'est de la nitroglycérine, voilà, on est d'accord. Donc même technique. Allez, allez, allez. Voilà, on s'éloigne bien. Attendez, où sont les caisses? Je vois plus les caisses. Parfait! 5 d'un coup, voire même plus. Surprise. Bon. Ah si, c'est bon. C'était bizarre. Alors j'en ai vraiment tué aucun tout à l'heure. C'est décevant. Enfin bon. Au moins, j'ai réussi ce que je voulais faire. Bon, c'est une technique comme une autre hein, pour avoir l'objectif optionnel accompli. Alors attendez, j'ai juste un petit... oui voilà, un petit fragment... un bug Helix, pardon, pas un fragment d'Animus. Ouais, je confonds avec les anciens jeux. Bah du coup... bon, je vais détruire ça... allez, normalement, mettant le feu. Plutôt que de gaspiller mes munitions.
Il y a un coffre. Le coffre est là-haut. Alors avec tout le boucan que je suis en train de faire, ça m'étonne quand même qu'ils aient pas repéré Evie. Merci. Bah, il est où? Il y avait quelqu'un ici? Ah, il est peut-être descendu voir ce qui se passait, ouais. Bon, pff, qu'est-ce que j'en ai à faire? Après tout, j'ai tué assez de Templiers comme ça. Donc, ok pour le coffre. Et on va donc finir cette mission. Quel imbécile, quoi. Surtout qu'en plus, c'est la scène où Frank Morris meurt, c'est un peu stupide quand même, parce que le mec s'apprête à se barrer avec la caisse. Non, c'est pas stupide, je retire ce que j'ai dit. Mais le mec, ouais, le mec le braquait avec un pistolet, donc c'est normal qu'il se soit arrêté. Il s'est arrêté en ayant peur de se faire tuer, sauf qu'après il a réalisé qu'il était en position très délicate et que le mec a été cruel, il l'a quand même tué, bon, ok. Mais bon, voilà, j'étais prêt à parier que Frank Morris avait quand même essayé de voler de la nitroglycérine. Et ça lui a coûté la vie. Allez, parlons à ce pauvre Karl Marx qui va en avoir gros sur la patate. Enfin, qui va en avoir gros sur la patate. Maintenant que son... sympathisant est mort. Dans de tragiques circonstances. Après, Evie a dit, bon, j'espère que j'ai trouvé la... Enfin, j'espère qu'il a trouvé la paix. Mais le mec, il avait une femme quand même. C'est surtout la femme, en fait, qui est à plaindre. Elle a perdu son gamin et son mari. Youpi! Vous revoilà. Et Monsieur Morris, je vois. Je craignais que ça finisse ainsi. C'était un homme bien, mais même les meilleurs d'entre nous se laissent aveugler par le chagrin. En tout cas, merci d'avoir sauvé toutes ces vies. Ouais. On a sauvé des vies, peut-être. En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est que j'en ai pris des vies. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et à très grande vitesse. Merci nitroglycérine. Ouais, je sais pas si je dois me sentir bien. Parce que quand même, on a fait un beau massacre. Mais bon, depuis le début, hein, avec les Templiers, c'est vrai qu'on fait un beau massacre. J'y pensais l'autre jour, mais c'est vrai que... Kevin et Jacob ont tué beaucoup de personnes. Bah voilà, deux de plus. Et bon, ce sont quand même de gros assassins. Bah en même temps, du coup, la confrérie porte bien son nom, mais... C'est vrai que... Bah, faut vraiment pas en avoir... grand-chose à faire des ennemis, hein. Plutôt de la vie des ennemis. Ou alors, faut vraiment être sacrément entraîné pour pouvoir supporter un tel truc. Ou être un héros de jeux vidéo, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que les héros de jeux vidéo supportent assez bien le fait de tuer des gens en masse. Ouais, je suis pas censé être là. Et ben voilà. Voilà ce que je fais en étant là. Allez, casse-toi! Evie est une gentille, je le rappelle. Et comme tous les gentils, elle fait ce qu'elle veut. Eh ouais. Allez, poussez-vous. Ce coffre est à moi. Ce coffre est à moi, mais... On a d'autres affaires urgentes à régler. Et notamment, d'autres missions avec... Alors attendez, c'est où? C'est suivi de progression. Avec, bien entendu, les récits londoniens. Et il nous reste donc les récits de Karl Marx. Et on a donc encore une mission, autant pour moi. Vox Populi. Oh! La voix du peuple! Vox Populi, qui était le nom d'une organisation justement dans le jeu Bioshock Infinite, qui est un de mes jeux préférés. D'ailleurs, justement, comme prochain Let's Play, c'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Je voulais faire toute la série des Bioshock, mais j'hésite un petit peu avec d'autres jeux, d'autres types de Let's Play que je pourrais faire. Une personne avait suggéré une fois comme ça, un Let's Play sur le nouveau Deus Ex. Alors, j'ai joué au dernier, je l'ai pas fini. Je sais pas encore quel gros Let's Play je vais lancer après Assassin's Creed. Parce que là, bon... En gros, le gros let's play est fini, hein. Je fais que des petits trucs, histoire de prolonger un petit peu la durée de vie de mes séries sur Assassin's Creed Syndicate sur YouTube. Mais voilà, j'ai pas encore pris une décision, j'ai encore le temps, voilà, il faut finir les mémoires de Karl Marx, et bah c'est presque fini, donc on a juste... on a juste à protéger Karl Marx, mais vu que c'est la dernière mission, c'est probablement
une mission assez longue, ou si ça ne l'est pas, en tout cas c'est pas très grave, car je pourrais eh bien, du coup consacrer quelques minutes à cette fameuse crypte de Reuge. Eh bien, sur ce, je vous quitte, on se retrouve bientôt pour la dernière mission avec Karl Marx. Pour voir les deux premières missions, ce sont les épisodes 18 et 19 de la série principale. On se retrouve bientôt pour la dernière mission. Salut tout le monde, à la prochaine.